know what it means. Oriental poison. Oui, salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mi-fa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je pense, je tiens à vous le dire vraiment, c'est la dernière vidéo au niveau de la cagoule. Après on passe vraiment à autre chose. J'ai plus rien contre lui, il a plus rien contre moi. Aujourd'hui la Paris Games Week, ça s'est très bien passé. J'ai pu voir mes abonnés, on a pu faire des dédicaces, on a pu passer un putain de bon moment avec les abonnés. Donc je suis très heureux, au moins j'ai pu faire la dédicace pour mes abonnés, même si y a un jour qui a été annulé et ça me fait quand même chier parce que c'est un jour de perdu. Mais bon, c'est pas grave, passons. Voilà, j'ai pu parler hier avec la cagoule et on s'est pas mal bien expliqué. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous en ai parlé ce matin, il y avait un pote à moi qui filmait pour éviter les sous-entendus et tout ça. Et bien sûr, en fait, on m'a expliqué qu'il y avait d'autres mecs qui filmaient et qui s'apprêtaient à mettre des vidéos sur YouTube. Alors, avant que la version GameX 13, la cagoule, soit explosée dans tous les sens et soit mélangée avec des découpages, des cuts et des ralliements de vidéos avec des mecs qui savent bien cutter et à quel moment il faut le faire, je préfère vous mettre la vidéo d'origine qui sera elle du début jusqu'à la fin. Par contre, elle sera floutée à certains moments parce qu'il y avait la team La Salle avec moi, donc il y avait Eden et il y avait Unwin qui ne se montre pas et il y avait également Lia aussi. Donc au moment où il y aura Eden et Unwin et bien sûr Lia, eh bien à ce moment-là, ça sera flouté. En tout cas, je tiens à dire à la communauté de la cagoule, franchement, respect à vous. Vous avez quand même réagi très très bien pour la plupart d'entre vous. Vous n'avez pas non plus lâché la cagoule pour autant, mais vous ne l'avez pas non plus défendu pour autant. Et c'est ce qu'il faut faire en fait, savoir faire le pour et le contre. Ne pas forcément retourner sa veste contre la cagoule, parce que c'est quand même le youtubeur que tu suivais, mais savoir quand même lui dire à la cagoule, mec, tu déconnes. Bref, en tout cas, j'ai beaucoup aimé discuter avec la cagoule. À la fin, il vous le dira, hein. Il n'était pas bien parce que tout le monde s'est mis contre lui et en fait c'est moi qui l'a obligé à rester. Voilà, il y avait ses potes avec lui, je lui ai dit écoute, arrête, reste. Non, je vais partir. Reste, je t'ai dit. Parce que voilà, je voulais pas gâcher sa soirée. J'ai parlé avec lui, il m'a dit ouais, voilà, j'ai envie de changer, je vais pas tacler des gens ou attaquer des gens, nanana. Vous savez, je lui dis la vérité, je suis pas le super-héros, le Superman ou quoi, d'accord, loin de là. Je suis pas non plus le mec tout rose, hein. Très loin de là non plus. Hein, je vous le dis tout de suite, très très loin de là. Mais voilà, ça m'a vu juste casser les couilles ce qui s'était passé à la Paris Games Week et je pense que j'avais beaucoup besoin de discuter avec lui. Et puis voilà, après il m'a parlé de son contenu. Bon, là, son contenu, moi j'ai jamais jugé son contenu. Je pense qu'on a parlé, je dis bon, à certains moments il s'attaque à des youtubeurs et à certains moments il en a abusé avec certains qu'il a beaucoup, 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 beaucoup attaqué. Peut-être même trop parce que quand tu attaques un youtubeur une fois, ça va. Deux fois, ça commence à faire beaucoup. À plusieurs reprises, ça devient pratiquement de l'harcèlement. Et là, c'est grave. Et je sais que la plupart des gens, ils en ont rien à foutre parce que tant que ça n'arrive pas à leur propre personne, tout va très très bien. Quand ça arrive à quelqu'un d'autre, c'est pas grave, c'est quelqu'un d'autre. Quand c'est nous, ah non, il faut pas nous faire du mal. C'est bien ça, en fait, le problème de l'être humain. C'est que j'ai grandi avec le temps et j'ai bien compris ce mot et la signification du mot que quand ça ne t'arrive pas, tout va très très bien, mais quand ça t'arrive, là, ça devient grave. Et je tiens à vous le dire à toutes et à tous, beaucoup de youtubeurs, et je vous le jure, sur Allah et l'Azim, sur Allah, mes abonnés sont là. Il y a les gros youtubeurs qui sont venus me contacter, qui m'ont remercié. Et certains m'ont dit, putain, on s'est fait niquer ça, 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 ça à cause de cette histoire. Par exemple, Verdos, tout à l'heure, il devait streamer tout à l'heure. Pas pu stream. À cause du fait que YouTube s'est barré. Et oui. Bref, en tout cas, on passe à autre chose. On continue, on reprend les vidéos Cool Raoul. Tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo avec la team La Salle, n'hésitez pas à aller la voir. On a mis une petite branlée à Eden, à Unwin, à toute l'équipe, Razmo, Monkey, bref, allez-y, profitez de cette vidéo, amusez-vous bien. J'ai fait également une vidéo aussi où je déballe les cadeaux de YouTube aussi. Voilà, bon visionnage, il y a de quoi vous amuser. Bref, la cagoule, j'espère qu'on restera sur quelque chose de positif et que je peux te faire confiance du coup maintenant, que tu vas pas déconner. Et puis voilà, si tu as besoin de parler avec moi, je suis là pour toi, regarde, parce que ça m'a pas plu hier, t'étais la larme à l'œil et je l'ai bien vu. Et même si pour moi, certains YouTubeurs des fois vont trop loin, eh ben, j'ai quand même un minimum de cœur, tu vois. Même si des fois, j'ai envie d'attraper des mecs, de les jeter dans la scène, bah, ça me plaît pas, tu vois, de faire du mal à quelqu'un, tu vois. Parce que j'étais merdeux, j'ai fait le con. Je veux dire un truc, hein, depuis que j'ai 24 piges et que j'ai ma femme, ça m'a beaucoup fait mûrir. Une femme, mec, ça te fait énormément mûrir. Fois 3. Eh, t'es avec une femme, t'as 10 ans, frère, hein, façon de parler, hein, t'as 10 piges. T'es avec une femme, t'en as 30 dans ta tête. Tu vois, bon après c'est pas tout le monde pareil, hein. Là c'est des gamins, ça reste des gamins. Mais je veux dire, voilà, je sais à quel moment il faut être con et je sais à quel moment bah, il faut être un minimum intelligent. Qu'est-ce qu'il y a, Mohamed? Moi aussi je suis avec une femme, ça me fait mûrir. Mais non, t'as toujours été con, Ahmar. Bref, je vous laisse avec la vidéo.
On va flouter pas mal la vidéo. Vous allez entendre réellement ce qui s'est passé hier chez Divimove. Après, voilà, on a calmé en tout cas ce qui s'était passé. Bref, à partir de cette vidéo, on passe à autre chose. La cagoule, reprend bien ton contenu. Jawed, pareil, Habibi. Et puis voilà, que tout le monde reprenne tranquillement sa chaîne, que tout le monde s'occupe correctement de ses abonnés. Et la cagoule, essaie vraiment de faire un effort. Et peut-être, je dis bien peut-être, c'est peut-être même pas sûr, mais peut-être que la prochaine année, tu pourras peut-être rentrer et tu pourras peut-être envisager une petite discussion avec la personne qui s'occupera du stand YouTube. Tu diras, voilà, je me suis excusé, j'ai envie qu'on reparte. Voilà, comme ça. Il n'y a plus de problème, on supprime tout. Ardoise supprimée. On supprime l'ardoise, effacée. On passe à autre chose. Tu vois vraiment que tu lui parles bien, que tu prennes le temps de lui parler. Et ça te ferait pas plaisir de rencontrer la résistance sur scène un peu? Ah, d'accord ou pas? La résistance, la résistance. La résistance, des fois, il faut leur faire plaisir. Des petites photos, des petites signatures. C'est ça aussi avoir une communauté. C'est pas juste la résistance derrière une caméra. C'est la résistance aussi dans la vraie vie. Et c'est pour ça que chaque youtubeur doit faire ça. On doit tous, pour moi, venir au moins, peut-être une fois à la Paris Games Week. Pour au moins voir les abonnés. Pas forcément voir les youtubeurs, parce qu'il y en a, ils disent, ouais, moi je viens pas parce que y a beaucoup d'hypocrisie. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, cette Paris Games Week, il faut savoir qu'il y a eu pratiquement aucune hypocrisie. Parce que tous ceux qui avaient réglé des comptes, ils les ont réglés. Moi, j'en ai réglé un ou deux que j'avais à régler. Voilà. Ça s'est passé, alhamdoulilah, on passe à autre chose. Mais bref, en tout cas, sachez-le, je ne vous incite ni à la haine, ni à la violence, jamais. C'est pour ça que, regardez, moi, je partais pour vraiment le jeter de la scène, hein, la cagoule. Hein. J'étais vraiment mal. Hein. Il m'a niqué toute la journée, j'étais vraiment mal. Et bon, faut savoir prendre sur soi des fois. Sinon, frère, tu montres quoi aux gens? Que t'es un hayawen, un animal, t'arrives. C'est ça, c'est. Non, bah non, frère, t'es un youtubeur, un minimum, tu vois. Il y a un minimum. Bref, bon visionnage. Il faut le savoir, hein. Je me suis énervé parce que ça m'a touché également. Et vous allez l'entendre dans la vidéo, je lui dis, frère, voilà quoi, tu m'as niqué mon bail, quoi. J'ai pas fait le super-héros parce que j'ai déjà vu un crétin qui parle de vidéo buzz et qui parle de youtubeur buzz. Mais le mec, c'est le seul, cet enfoiré de mort, à t'avoir claqué une vidéo sur GameX13 et la cagoule. C'est le seul pour l'instant. Hein, le mec surfe sur un buzz, mais il est là à te parler des youtubeurs qui font du buzz. Pouah, bref, bon visionnage, les frères et sœurs. Et puis voilà, bonne vidéo. Et je vois déjà les mecs qui surfent sur le buzz. Que tu surfes sur le buzz, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Hein. Tu surfes sur le buzz GameX13, la cagoule, ça me dérange pas. C'est pas grave. Tu vois, chacun fait son petit buzz. C'est comme ça. J'en veux pas aux gens, loin de là. Mais surfe sur le buzz, en plus, on limite, en rabaissant un peu certaines personnes, l'une ou l'autre. Arrête, mec, t'es pas crédible. Bref, bon visionnage, les frères et sœurs. Et puis voilà, je vous laisse avec la vidéo totale. Et puis s'il y a du floutage, vous l'avez compris, c'est parce qu'il y avait Eden et Unwin. Bref, bon visionnage. Et puis à très très bientôt pour de prochaines vidéos Cool Raoul, où il n'y aura pas forcément de violence, de bagarre ou quoi que ce soit, ou à deux doigts de se battre. Bref, bon visionnage. Allez, ciao l'équipe, merci. Prenez soin de vous et de la MIFA. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, ça me ferait quand même plaisir. Et puis voilà, à très très bientôt. Ciao! À quelle heure? Non, j'ai fait des émeutes. Non mais la cagoule, je peux quand même pas qu'ils t'ouvrent les bras. Non mais. Et qu'ils disent bien. J'ai pas fait des efforts. J'ai pas fait des efforts. Est-ce que tu regardes mes vidéos dernières? Ouais, ça m'arrive de regarder quand j'en ai. Tu vois, j'ai arrêté les cages. Tout ça m'a fait chier. Vraiment, ça m'a fait chier. Ouais. Parce que de base, moi, c'est de l'humour. C'est vrai que tu regardes. Ouais, mais tu sais que. Attends, chacun son avis, tu vois. C'est pas mon avis. Tu sais, lui. Attends, tu sais, lui. Tu sais combien il a fait de kilomètres? Combien t'as fait de kilomètres? Casse! Je veux dire, Arrête, Non, malentendu.
Mais j'ai fait des émeutes hier, Je suis pas allé voir Kenny en disant Kenny, Kenny. Les émeutes, ça a fait quoi? Les émeutes, ça a fait amener des temps délicats de youtubeurs. Sans créer résistance. Quand tu dis lui, il ouvre trop résistance à l'exemple, et tu sais très bien, Écoute-moi. Je crois que tu t'es pas rendu compte de ce que t'as fait, toi, avec tes petits potes. Est-ce que vous savez. Est-ce que vous savez que vous avez fait fuir la femme du YouTube anglais? Elle s'est barrée. Ils ont enlevé tout le setup, tous les streams. Aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, ils sont partis chez moi. Laisse-moi finir. Hier soir, quand même, est-ce qu'elle a reçu bien? Elle a pris deux canettes sur le coin de la gueule, il y avait des frites qui volaient, il y avait des sacs qui volaient partout. Ah mais ouais, c'était le bordel. Et au bout d'un moment, nous tous, j'ai ma part de responsabilité, on est d'accord. Moi, j'ai été au bout d'une heure. Bien sûr. T'as vu tous les youtubeurs que tu peux. Non, mais je sais bien, tous les mettre à dos, ouvre trop ta gueule. Mais ça, alors, qu'est-ce qu'ils sont à ta gueule? Alors, ta gueule, ferme ta gueule là. L'année dernière, il y a eu des trucs, c'était pas moi. L'année dernière, c'est passé plein de trucs, c'était pas moi. Je vais te dire un truc, je vais faire pour moi, tu peux pas être comme tout le monde. Être calme, être discret. Abdel, imagine, t'as un stand de youtubeur. T'as tout le monde. T'arrives à l'entrée et te disent non, pas toi. Alors que t'as essayé de changer, est-ce que j'ai pas essayé de changer? J'ai fait des caméras que j'ai arrêté les clashs. Mais oui, mais j'essaie de la changer. Sur les réseaux sociaux, tu attaques les gens, tu fous le bordel, c'est normal. Franchement, en fait, le truc où t'as dépassé les limites, franchement, où tu mériterais vraiment d'en prendre les filets dans la scène, je te dis la vérité. Le truc, c'est vraiment demander aux gens de jeter les trucs. Tu te rends compte? Oh, il y a des mecs, ils ont fait, comme je te l'ai dit, 12 km. Les gars, il y a des mecs qui devaient streamer. Ça aurait été qu'à moi. T'as vu au moment où elle a reçu les deux canettes sur la gueule? Ah mais je t'aurais attrapé sur ce moment-là, je t'aurais pris en combat. Mais c'était à quelle heure? Vers les coups de 14h-15h. J'étais pas là. Ah mais t'as prévenu c'est pas ça, c'est quand? Hier, quand t'as prévenu, tes abonnés. Moi hier je t'ai viré. Aujourd'hui je t'ai viré. Mais bien dernier jour, en plus tu te rends compte. Hier tu te rends compte. Ce que tu demandes à des gosses,
Ce que tu demandes à des gosses de faire. Non, Abdel, j'ai merdé sur mes stars. Mais il y a eu des câbles qui ont été retirés. Allez, Nico. Laissez la soirée 18 mois se passer comme prévu. La prochaine fois, moi je te dis juste que tu fais un truc et ça me touche, je parlerai pas avec toi. Je suis viré. C'est juste comme ça. Juste un truc, tu ne parles pas de critique. Tu ne rends pas les coups de la critique. Moi, c'est moi la même. Voilà, provoque. Tu viens, tu penses à l'alien. Attends, je parle moi, je ne prends pas en train de comment. L'alien de vue, là. Je te parle, laisse parler. Tu prends l'alien en snap devant la première game, on dit rien. Tu te prends en snap. Pourquoi je prends en snap? Tu prends pas en snap. Et alors, tu prends pas en snap. Mais quoi, je prends pas en snap. Je prends pas en snap. Tu 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 prends pas en snap. Ça c'est personnel. Mais c'est l'anime qui a vu du rien sur toi. C'est pas télé, c'est pas de flunch, c'est pas télé. Ça c'est là, c'est sur toi. Mais c'est pas de soucis, ça c'est... You take my hand through the flames. How you?